Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. J'espère que vous allez bien les amis, moi en tout cas ça va super. Tout d'abord, avant que la vidéo commence les amis, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne YouTube s'il vous plaît. C'est ultra important, comme je le dis tout le temps, c'est vous qui faites vivre cette chaîne YouTube. C'est grâce à vous qu'on arrive à avancer en termes de nombre d'abonnés. Donc vraiment, dites-vous que un clic, c'est vous me rendriez le plus heureux possible. Et au même passage, d'ailleurs, un très 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 grand merci pour tous ceux qui se sont abonnés ces derniers temps. Ça m'a énormément fait du bien de voir autant d'abonnés en très peu de temps. Donc un grand mais giga merci à tous ceux qui sont abonnés. Ça fait extrêmement plaisir. Vous ne pouvez pas savoir, les amis. Vraiment, vraiment, sincèrement, du fond du cœur, ça fait extrêmement plaisir. Ça prouve que mon travail vous plaît, vous intéresse et aide les gens sur Star Citizen. Donc un grand merci et encore plus à ceux qui lâchent des petits commentaires pour dire superbe vidéo, les trucs dans le genre. Enfin voilà, ça fait, comme je dis, ultra plaisir. Donc un grand merci encore à vous. Donc les amis, dans la description, vous avez le Discord communautaire et le Discord de la corporation. Donc le Discord communautaire, il est ouvert à tout le monde. Voilà, que vous jouez, que vous jouez pas, que vous avez une corpo, que vous n'avez pas de corpo. Voilà, c'est un endroit fait pour se réunir. N'hésitez pas à discuter dans les channels, à venir en vocal, essayer de vocal avec tout le monde. Voilà, tout le monde est le bienvenu au sein de ce Discord. Je compte sur vous pour essayer de créer une petite communauté autour du multigaming. J'essaierai de venir vous voir de temps en temps en vocal pour discuter un peu avec vous, de savoir qu'est-ce que vous pensez du jeu, ou ainsi de suite, ou plein d'autres choses hein, d'ailleurs. Un grand merci en tout cas à ceux qui le rejoindront. Le Discord de la corporation, donc là c'est un Discord un peu plus fermé bien entendu les amis. C'est un Discord qui est ouvert que aux membres qui souhaitent rejoindre une corporation dans Star Citizen. Donc une corporation qui a de l'ambition, qui a envie d'aller loin dans Star Citizen, qui a envie d'aller encore plus loin que le endgame, créer vraiment notre empire dans Star Citizen. Donc pour ceux qui s'intéressent de rejoindre une communauté française qui a l'intention d'aller très très loin dans le jeu, vous êtes les bienvenus. Le Discord est en description, que vous soyez solo ou en groupe, que vous soyez nouveau ou vétéran, vous êtes les bienvenus au sein de cette corporation. Donc les amis, du coup, pour le début de cette vidéo, petite parenthèse avant de commencer, le code parrainage, les amis, n'hésitez pas à le mettre, il est aussi dans la description, ça vous fait gagner 5000 AUEC en plus de ce que vous allez avoir par mise à jour. Donc je compte sur vous pour le mettre, les amis. Donc les amis, on se retrouve dans une vidéo pour faire du commerce. Donc on a le Free World qui est avec nous, ici, donc on va acheter un truc particulier que je me rappelle plus, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, je crois que ça faisait que le commerce entre stations, mais pas du tout. Donc là, nous, on se retrouve sur Euterpe, donc l'avant-poste Raillery Magrat, voilà, je le dis, donc sur Clio, c'est sur Microtech, une lune de Microtech, donc. Ici, qu'est-ce qu'on va trouver en particulier? Nous, ce qu'il nous faut, c'est le supplies médical. C'est ce qui nous intéresse concrètement à l'heure actuelle. J'ai déjà, bien entendu, moi, acheté tout ce qu'il fallait. Voilà. Donc là, on l'achète à 1500 et des brouettes. 1577. Et on le revend normalement aux alentours de 2000 SCU. Oui, SCU. Pardon, j'ai bugué. AUEC, pardon, non, voilà. Donc on le revend autour de 2000 AUEC. Donc c'est pas dégueu, c'est une petite route commerciale, mais qui est plutôt tranquille. Là au moins vous êtes sûr de pas trop vous faire attaquer, j'ai envie de vous dire. Comparé au Gold qui lui commence à réattirer la piraterie, hein, je sais de quoi je parle. J'ai failli refaire de la piraterie avec ça, parce qu'il y a énormément de personnes qui font du Gold à l'heure actuelle. Pendant quelques jours, ça allait, il n'y avait personne. Et d'un coup, il y a eu masse monde. Du coup, on va aller vers nos vaisseaux, qui sont, du coup, juste là. Donc, comme moi, je vous l'ai déjà dit, j'utilise le Freelancer Max pour que ça soit facile. Donc, pour la 4.0. Voilà, parce que la 4.0, il va y avoir un full reset, je le rappelle. Donc, je m'entraîne un peu à l'utiliser au quotidien. Donc là, hop, j'ouvre la soute. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire monter toutes les caisses. Alors là, je fais monter d'abord toutes les... Ah merde, si je mets ça là et ça là, ça passe, c'est génial. Hop, voilà, comme ça, on fait tout monter. Donc moi, j'ai pris des petites pour que ça aille dans la soute à l'arrière et des 8 pour que ça rentre, bien entendu,
directement sans se casser les couilles. Donc là, hop, il va être arrivé. Oh, ouais, mais dans l'air. Tu sais où elles vont, celles-là, ouais? Comment ça? Dans la petite porte là-bas. Ouais. Hein. Tu veux les mettre ou tu veux le faire? Ouais, vas-y, moi je vais mettre les grosses. J'en étais sûr. C'est que c'est pas compliqué, hein. Tu te mets face à la porte. Ouais, mais attends, je suis en train de penser, si je mets les grosses, tu vas pas pouvoir. Non, non, d'abord, faut que tu ramènes les petits. Ok. Hop. Il en manque, de toute façon, normalement, je l'ai mis assez pour que on puisse remplir la zone là. Ok. En sorte que on ait 6 caisses, 6 petites caisses. Hop. Là, puisque j'ai coup débuté CU, donc en vrai, ça va être assez simple. Charger. Ah, quoique, attends. Je sais pas s'il va avoir cette place. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il va avoir assez de place ou pas? Et où il va manquer de la cargaison. Un, deux, trois, quatre. Non, et il va en manquer une grosse caisse. Tu peux même. Ouais, il va manquer de la cargaison, moi. Ouais, tant mieux. Après, mets les bénés sur la grille, hein. Parce que bon, on connaît les bugs, les trucs. Alors, fais gaffe là, mets-la à gauche. Direct et grip là. Voilà, parce qu'en fait, il y a un bug. Ok. Avec le freelancer. Je fais gaffe de pas te Ouh! percuter avec. J'ai fait un demi-tour, j'ai vu la caisse La tomber sous mes yeux. caisse. Je vais où? Que à gauche du coup? Ah non, tu peux charger le reste. Du coup, est-ce que je vais chercher des petites pièces ou je reprends des BTC? Ouais, tu peux prendre 1, 2, 3, 4, 5. Ah, comme ça, tu sais, je te charge Hop. Ah non, Vas-y, bug vas-y. pas. Il va bugger. J'ai flippé ma race, gros. Ah, j'étais pas bien. Ouf. Ah, t'inquiète, c'est le serveur qui est en PLS. C'est le serveur qui est en PLS. Ouais, non, mais là, il m'a mis la sueur voilà, au derrière. Tac, donc vas-y, je te laisse du coup les Vas-y, récupérer. vas-y. Ah oui, t'en as pris quelques-unes. Ouais, non, mais c'est pour te régaler, t'inquiète. Puis dégage, je vais les remettre dans le truc. Et en plus, ce qui est bien, c'est que du coup, ça montre par la vidéo que quand on est deux, vous avez vu, on peut. Ça veut dire que vous pouvez vous faire vraiment voler en fait. Il n'y a pas de. Oui, D'interactif, quoi. clairement. Et un mec vient peut clairement vous arracher votre cargaison. Donc, c'est la bonne idée qu'on soit deux pour vous montrer que même lui, s'il veut, il peut récupérer ma caisse. Donc là, je prends 3x8, on a dit. Hop là. Alors tu vois, il y a quelque chose que j'aime dans le commerce, c'est ça. De quoi charger les caisses? Tetris. C'est pas mal. Non mais juste Tetris, la logistique, tout ça, j'adore. Genre après quand tu joues à Foxhole, t'es obligé d'aimer la logistique. Alors, donc je vous tiens les amis, je vais le dire clairement. Là, ce genre d'endroit là. Faites ultra attention. Vous pouvez traverser la map là. À ces endroits-là de la map. Vraiment. Autour des ascenseurs, ouais, faut faire gaffe. Autour des rampes, des ascenseurs, c'est la zone de la mort, comme on l'appelle. Hop. Ah, du coup, je t'en ai peut-être sorti un petit. Oh, c'est pas grave. Ça fera un bon stock, et puis c'est tout. Ouais, je me dis, j'aurais pu clairement prendre un C2, hein. Ça aurait été. Mais bon. Bon, alors, ça aurait été un peu plus de temps pour le charger. Bah, j'aurais pas pris des. J'aurais pris d'autres. Là, mais tu peux la mettre au-dessus, celle-là. Là. Ouais. Je vais les redescendre, celle-ci. Attends.
Voilà, pourquoi? Bah attends, on va les charger au lieu que tu les descendes et qu'on... qu'après tu dois les remonter. Bah non, justement. Bah non. Bah si, on va mettre les 8 SCU là. Mais les 8 SCU, c'est les grosses carrés là, on est d'accord? Bah oui. Mais là, je oui, bah ouais. Là, regarde, mais là, si, là, a... le cargo il s'arrête là. Oui, non, mais je suis d'accord. Ouais, t'as ce que je veux dire? Ouais, en vrai, de toute façon, c'est pas nous qui déchargerons. C'est meuf, on va jouer le déchargement automatique. Oui, non, mais c'est même pas ça, c'est juste. Tu vois, tu les mets par terre, on les mettra au-dessus, quoi. Au lieu que tu descendes les 2 SCU, qu'on mette les 8 et qu'ensuite faut remonter les 2 SCU pour faire le dernier étage. Ouais, non, t'as raison. C'est une bonne optimisation, tu vois. Ouais, comme tu dis, hein, faut. Tetris. Aïe, oula, aïe. T'as kiffé ou quoi? Ouais, t'inquiète pas, tout va bien. Contrôle la situation. C'est bon. C'est bon? Ouais, tu peux pas en mettre. Wow. Tu peux pas en mettre plus. Ouais. Alors, du coup. Bah attends, je vais les mettre dans mon vaisseau. Ça hein? Hein? Ouais, merde. Ah, putain. Merde, putain, là. Ah, putain. Quel dommage. C'est que je vois ça, tu vas perdre parce que t'es vraiment devant la porte d'entrée du vaisseau. Je suis derrière toi. Hop. Allez, tac. Bon, bah voilà. Oula. Je suis pas bien. Il va faire péter mon vaisseau avec ça. Ça lâche pas! Non, c'est que tu sais pas faire. Oh, tiens, on est mort top. Nickel. Et voilà. Allez, bouge ton vaisseau, tu vas m'aider à charger le mien maintenant. Ouais, t'inquiète. Donc, les amis, nous voici arrivés à URL. URL 1 ou 2, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je vais les regarder tout de suite. Donc URL 1, Green Station. Donc, beaucoup d'aventures, beaucoup de péripéties pour la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai plus mon armure parce que des conseils partant de dormir dans un nouveau vaisseau actuellement. En tout cas, on a fait le test avec deux vaisseaux et ça s'est très mal conclu. Ça a très mal fini. C'est le C1 et le Freelancer Max. Du coup, je vous déconseille fortement de vous installer dedans. Donc du coup, nous voici après 4 heures de galère. Donc on a tout bande. Pourquoi il est... Ah ouais, il clique pas tout. Ok. Là, ce que je peux faire, c'est je peux vendre que une SCD. Non, c'est une blague. Ah oui, putain. On va faire ça comme ça. Et apparemment, il faut le décharger manuellement. C'est ce que j'ai oublié aussi. Parce que, du coup, dans celle-là, il n'y a pas le. Tac. Au pire des cas, je vais regarder. Donc, on les vend 1900. Donc, au pire des cas, je vais juste décharger celle-ci pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, bien entendu, je reviens vers vous. Et en attendant, en parallèle, je ferai le calcul pour savoir combien je vais gagner pour 120 SCU, je crois qu'il y avait. On va compter 130 avec les 12 SCU à la limite. Et je reviens vers vous tout de suite. Donc les amis, je vous récupère. Donc effectivement, ça fonctionne bien. Donc voilà, une de 8 et une de 2. Enfin, j'ai inversé, mais une de 8 et une de 2. Du coup, je fais ça. Du coup, normalement, ça va nous confirmer la quête. D'ici peu. Et voilà. Du coup, on a été normalement gratifié de notre argent, effectivement. Et par la même occasion, je vais vous donner le total qu'on va gagner, du coup, pour avoir fait les caisses, du coup. Ça sera, on va faire gagner un bénéfice, le bénéfice je ne l'ai pas, mais un tout. Là, avec le peu de vaisseaux que j'ai, le peu de matière et le peu surtout combien on les revend, on va gagner 250 800 AUEC. Donc après, si je fais 132 fois 1500, parce que c'est le prix qu'on les a achetés, on fait 198 000. Donc ça veut dire on fait même pas 60 000 de bénéfices. Donc c'est
pas une grosse route commerciale, mais au moins là où vous pouvez être sûr, c'est que vous serez tranquille pour cette route commerciale. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On n'oublie pas de s'abonner, c'est très important. Faites-le les amis, ça vous prend 2 secondes, c'est très important pour la chaîne YouTube et pour l'avenir de cette chaîne. On n'oublie pas aussi de lâcher un petit commentaire, un petit like, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.